Bienvenue, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets ici en Afrique. Dans cette vidéo, je vous offre ma formation gratuitement sur comment fabriquer l'aliment poisson avec les intrants locaux et cela se passe en 8 étapes. Vous m'avez demandé ça depuis longtemps et aujourd'hui, voici la bonne nouvelle, c'est que je vous sers vraiment une nourriture sur un plateau en or. Alors, ça va commencer. Je vais commencer par répondre à cette question. Pourquoi j'ai créé cette méthode? Parce que c'est une méthode que je mets à votre disposition. Alors, il y a près de 12 mois, je ne savais rien en matière de fabrication d'aliments poissons et je pensais qu'il fallait être un ingénieur en production animale et investir beaucoup d'argent dans l'achat des machines pour réussir à fabriquer surtout l'aliment poisson de bonne qualité parce que c'est surtout ça qui intéresse, que les producteurs cherchent. Mais le souci, c'est quoi? C'est que quand on croit qu'il faut des longues études et un lourd investissement dans le matériel pour maîtriser ce domaine, alors on se met des barrières inutiles et pire encore, on procrastine, on remet à plus tard alors qu'on peut apprendre tout en moins de temps et obtenir un retour sur investissement plus vite. Voilà l'objet de entreprendre et réussir en Afrique, c'est de vous apporter tout ce que vous avez besoin en moins de temps et pour gagner en retour. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis penché sur la question de l'aliment et j'ai commencé à contacter les fabricants d'aliments poissons pendant que je poursuivais mes recherches. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'après 12 mois de recherche approfondie et de tests, j'ai créé une méthode que tu peux suivre pas à pas, étape par étape, pour fabriquer l'aliment poisson 1 de bonne qualité, 2 avec les intrants locaux, les intrants qu'on trouve chez vous. Je ne vais pas te dire beaucoup plus, reste seulement jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, il y a un wow qui t'attend. J'aimerais te partager dans cette formation comment tu peux faire pour y arriver. Si tu appliques ne serait-ce que 3 des 8 étapes que j'enseigne dans le programme, toi aussi, tu vas pouvoir réussir à fabriquer l'aliment poisson de bonne qualité. J'insiste là-dessus parce que c'est hyper important pour vos poissons. Mais seulement, il y a de fausses croyances. Pas mal de porteurs de projets piscicoles se disent, je n'ai pas besoin d'une formation pour ça, j'ai juste besoin de quelques conseils pratiques ou encore, j'ai déjà essayé de fabriquer l'aliment moi-même et ça n'a pas fonctionné. Mais la vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à fabriquer l'aliment de bonne qualité, c'est tout simplement parce que tu veux réussir sans méthode et surtout sans se faire accompagner par celui qui a déjà fait et qui a réussi. Est-ce que dans ton environnement, tu connais celui qui a déjà fait et qui a réussi? Si la réponse est non, tu es au bon endroit et au bon moment. C'est une question de méthode et une question de s'entourer des gens qui ont réussi. C'est vraiment la première étape pour réussir à fabriquer l'aliment poisson avec les intrants ou les ingrédients qu'on trouve chez vous, même si vous partez de zéro. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la même situation que moi à mes débuts. Je n'avais aucune connaissance dans ce domaine ou pas assez et pas d'expérience du tout, bien que je passais des heures et des heures sur les blogs, les vidéos YouTube pour essayer un peu de trouver la méthode miracle. Oui, cette méthode existe, c'est celle que je vous offre dans cette vidéo. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est qu'un jour, à force de regarder du contenu en rapport avec la fabrication d'aliments, j'ai compris que le problème ne venait pas de la méconnaissance de ce métier, mais tout simplement d'avoir une méthode éprouvée, testée, à suivre étape par étape.
On n'invente pas la roue. La roue existe déjà. Alors, pourquoi tu dois prendre cette méthode maintenant? Premièrement, parce que la méthode que je vais te partager va te permettre de fabriquer l'aliment poisson de bonne qualité toi-même et ensuite réussir à avoir une bonne rentabilité avec ton activité de pisciculture et enfin réaliser tes rêves. Tu le sais parce que 60 à 70% des coûts de production piscicole passe par l'aliment. Et si aujourd'hui, tu peux avoir une méthode qui t'enseigne et une méthode éprouvée avec des témoignages, comme tu vas voir tout à l'heure, qui t'enseigne à fabriquer toi-même avec les ingrédients qui sont avec toi, parfois que tu n'as même pas besoin d'acheter, c'est ça la bonne nouvelle. Imagine comment sera ton entreprise et comment sera ta réussite. C'est la voie royale vers la réalisation de tes rêves. Alors, je te propose trois actions à mettre en place maintenant. Un, comprendre les besoins alimentaires des poissons. Et là, nous travaillons sur les clarias et les tilapias. Ça, c'est la première action si tu veux réussir immédiatement à fabriquer ton aliment. Comprendre les besoins alimentaires des poissons. Deux, trouver les produits agricoles dans lesquels on trouve tous les nutriments des poissons. Et trois, faire une bonne formulation alimentaire. C'est en appliquant juste à la lettre ce processus simple que tu obtiendras des résultats les plus rapides. C'est vraiment curieux. Voyez, alors, je sais très bien que ce n'est pas facile à mettre en place si tu ne sais, si tu ne te fais pas accompagner. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la méthode Aliments pas chers. Aliments pas chers, c'est quoi? C'est 8 étapes pour réussir à fabriquer l'aliment poisson avec les intrants locaux. Là-dedans, tu vas comprendre les besoins alimentaires. Là-dedans, tu auras la liste de tous les intrants locaux. Là-dedans, tu auras des formulations. Restez, ne partez pas. Continuez à suivre parce que je vais donner tous les détails du programme dans quelques instants. Alors, ce que tu te dis peut-être, tu te dis peut-être que ça ne peut pas fonctionner pour toi. Et si ça marchait, ça se saurait. Et peut-être que tu te dis que tu n'auras jamais le temps de t'en occuper. Bon, peut-être. Eh bien, pour moi, c'était exactement la même chose. Et pourtant, je l'ai moi-même fait et tu vas avoir accès à toute ma méthode dans quelques instants. Ce que tu vas découvrir, c'est quoi? Tu vas découvrir comment Jérôme nourrit ses poissons avec seulement deux ingrédients, le moringa et le manioc, qu'on appelle aussi le foufou. Eh oui, c'est curieux, non? Ha, tu es vraiment étonné, mais ce n'est pas tout. Tu vas aussi découvrir comment Bianchi arrive à avoir un clarias qui pèse 1 kilo en 3 mois seulement. Grâce à quoi? Grâce aux asticots. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas tout. C'est une toute petite partie un nouveau programme que j'ai créé spécialement pour aider les pisciculteurs débutants à réduire les coûts de production et à dégager une forte rentabilité. Si tu es concerné par ça, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu te poses peut-être cette question, moi qui suis-je pour t'enseigner tout ça? Eh bien, à ce jour, je suis à ma troisième entreprise créée en Afrique et en 2020, je faisais déjà partie du top 50 des Congolais les plus inspirants de cette année dans le domaine de l'accompagnement des porteurs de projets. J'ai déjà aidé 250 porteurs de projets à réussir la création de leur entreprise en Afrique et parmi lesquels les Africains de la diaspora qui souhaitent monter une entreprise au pays. Tu peux voir déjà comment on est en train de montrer dans l'image ici. Je suis là parmi les top 50. Voilà donc. Mon boulot, c'est d'aider les porteurs de projets à réussir. Et ici, j'ai choisi de vous aider à réussir à fabriquer l'aliment de bonne qualité. Mais je vais te laisser quand même suivre le témoignage de l'une des personnes qui ont pris déjà cette méthode. Il s'agit de Madame Française. Voici ce qu'elle dit. Le grand problème qui m'a empêché de me lancer dans la pisciculture, c'est l'approvisionnement en aliments poissons. Et heureusement que je suis tombé sur la formation de Jean-Cyr. Soyez rassurés, c'est une formation pratique, complète, claire,
simple et détaillé. Elle contient une variété d'ingrédients et les différents dosages nécessaires. Tous les calculs ont été déjà faits à votre place. Vous y trouverez également le partage d'expérience de M. Bianchi, qui est un innovateur et qui fabrique son aliment avec les asticots. Je vous encourage vivement à prendre cette formation signée Madame Française. Elle est aux États-Unis et elle est sur le point de monter son business dans son pays d'origine qui est le Tchad. Voilà un témoignage de parmi d'autres. Je n'ai pas voulu mettre la liste, elle est longue. Maintenant, tu te demandes peut-être ce que contient ce programme. C'est vrai que tu as déjà des pépites. Ce programme est composé de 8 étapes pour réussir à fabriquer l'aliment poisson avec les ingrédients locaux. Je vais maintenant te donner tous les détails. Étape numéro 1, tu vas savoir ce que c'est qu'un bon aliment piscicole. Oui, on en parle, hein, le bon aliment, l'aliment de qualité, oui. Mais c'est quoi un aliment de qualité? L'aliment piscicole de qualité, c'est ce que d'abord tu vas apprendre. Parce que pour que tu puisses en fabriquer, il faut que tu puisses connaître de quoi il s'agit. Donc ici, tout un module uniquement pour ça. Quand tu termines là, oh, ok, tu es maintenant sur la bonne voie. Et tu passes à la deuxième étape qui est celle de savoir les besoins nutritionnels des clarias et des tilapias. Tu dois connaître qu'est-ce que le clarias a besoin à tous les âges de sa croissance pour grandir. Tu dois savoir tous les nutriments en quantité et en qualité que les tilapias ont besoin à tous les âges pour grandir. Ça, là, c'est ce que tu vas découvrir dans la deuxième étape. Dans la troisième étape, alors là, c'est du full, c'est du lourd. Je t'offre 11 produits agricoles locaux dans lesquels on trouve les nutriments piscicoles ainsi que leur composition biochimique. Voilà, tout est là. Donc, et moi, avant même d'écrire, de faire ce module, j'ai fait un sondage dans presque la majorité des pays africains qui me suivent pour demander quels sont les produits qu'on trouve chez eux. Et j'ai fait une compilation. Et la bonne nouvelle, c'est que je me suis rendu compte que dans tous ces pays, presque tous ces produits existent. Si ce n'est pas 100%, mais c'est au moins 50%. Donc, tout le monde aura sa part tranquille. Vous allez réussir. C'est hyper important. Donc, ça, c'est la troisième étape. Maintenant, au niveau de la quatrième étape, je vous offre 12 formules, 12 formulations de l'aliment poisson. Et dans les 12 formules, il y a 3 formules de base et 9 formules spécifiques. Ça veut dire quoi? Quand je dis formule de base, c'est que vous avez quelques intrants locaux avec lesquels vous pouvez fabriquer l'aliment à tous les âges pour le seul aliment pour essayer un peu de nourrir les poissons à tous les âges. Et ça, c'est formule de base que vous pouvez utiliser en cas de. Mais sinon, si vous avez tous les éléments en place, vous allez respecter le dosage, vous allez respecter les quantités, les formules. Et donc, les formules spécifiques, maintenant, c'est par rapport aux âges. Au niveau à les 20, il y a des formules. Au niveau démarrage, il y a des formules. Au niveau croissance, il y a des formules. Au niveau adulte, il y a des formules. Tout, il y en a 9 spécifiquement conçues pour vous. Voilà, donc il n'y a pas moyen de ne pas réussir. Et au niveau de la cinquième étape, alors là, je vous montre comment fabriquer une provende granulée et flottante en 7 étapes. Oui, voilà. Donc, comme vous le savez, vous avez besoin d'avoir un aliment qui soit granulé et flottant parce que le poisson mange mieux lorsque ça flotte. Et là, je vous donne les outils pour vous permettre de le faire en 7 étapes. Donc, vous êtes orienté, vous êtes guidé. Et dans la sixième étape, je vais vous montrer comment utiliser les grenouilles et les têtards dans la fabrication de l'aliment poisson. Vous allez voir comment s'y prendre. Vous allez d'abord comprendre pourquoi on utilise les grenouilles et les têtards. C'est pas en vain, on n'a pas choisi ça pour vain. Et vous comprenez déjà que ça fait partie aussi des intrants locaux dont on parle ici. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de grenouilles ou de têtards chez vous. Sinon, vous pouvez aussi élever. De toute façon,
On vous explique pas à pas, étape par étape, comment s'y prendre. Donc, vous n'êtes pas seul. Et dans la septième étape, vous allez découvrir comment on utilise les asticots dans l'aquaculture et dans la fabrication de l'aliment. Voilà, donc le témoignage de Bianchi, innovateur, spécialiste de la fabrication par les asticots. Alors, vous allez se faire accompagner pendant près d'une heure du temps. J'ai été chez lui, on a filmé, vous aurez des vidéos. Comment est-ce qu'il élève, pourquoi, le comment, il explique. Lui, il a fait de ça son métier. Et là, vous allez vous faire accompagner. Tout est déjà fait prêt pour vous. Il ne reste plus qu'à ce que vous prenez. Je sais que vous êtes déjà en train de vous demander, mais comment faire pour avoir cette formation? Je vais vous dire ça dans quelques instants. Et la huitième étape, vous allez maintenant voir comment contrôler et ajuster le pH dans la peau-ventre. Si vous n'avez jamais entendu parler de pH, alors là, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, comment vous allez contrôler, comment est-ce que vous allez ajuster dans la peau-ventre. Et vous allez aussi comprendre pourquoi nous parlons de contrôler. Tout ça là, c'est déjà prêt. Tout ça là, c'est déjà prêt. Et vous aurez encore un bonus, un chapitre bonus, là où vous aurez les réponses aux 16 questions les plus posées sur l'alimentation des poissons. Et vous aurez 4 vidéos pratiques sur le terrain qui vous enseignent étape par étape comment faire les choses. Donc, vous avez le beurre et l'argent du beurre. Donc, en résumé, c'est une formation qui est déjà en ligne, 100% en ligne, et vous y avez accès à vie. Donc, ce n'est pas que, bon, après, ça va disparaître. Non, vous aurez un site privé sur lequel vous avez toutes les vidéos. Vous aurez 16 vidéos de formation. Vous aurez 16 enregistrements audio de formation qui peuvent vous permettre de vous former partout. Là, vous n'avez même pas un appareil pour lire les vidéos, même avec votre téléphone. Et vous aurez en plus 5 vidéos pratiques qui sont des bonus que je vous offre. Donc, ça veut dire que c'est une formation de 4 heures du temps. Imaginez si vous commencez, par exemple, à 7 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, déjà enregistré en vidéo, en audio. Et en plus, il y a un support PDF de la formation que vous allez avoir dans votre site. Là où vous retrouvez tout ce que vous avez en vidéo, vous retrouvez en PDF. Tout ce que vous avez en vidéo, vous retrouvez en audio. Donc, tous les formats sont à votre disposition et vous avez accès à vie. Alors, quel est donc le montant pour obtenir cette formation ainsi que tous les bonus? Alors, la valeur totale de ce que vous allez obtenir est de 1 500 €. Ça veut dire que je pouvais proposer cette formation pratiquement à 1 500 €, ce qui représente près de 1 million de francs CFA. Mais vous n'allez pas payer 1 500 €. Vous n'allez même pas payer 1 000 €, c'est-à-dire 500 000. Et je vous surprends, vous n'allez même pas payer 500 € et vous n'allez pas payer 300 €. Ça n'écoute pas. C'est plus moins que ça. C'est moins que 1 000 €, c'est moins que 300 €. Alors, tenez-vous tranquille, serrez la ceinture, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Pour accéder à cette formation et bénéficier de tous mes secrets afin de générer des milliers d'euros en élevage de poissons en Afrique, vous allez investir seulement 99 € et c'est un prix promotionnel. Ça va disparaître, ça va pas durer longtemps. Avec 65 000 francs, vous ne prenez aucun risque. Vous avez une garantie à 100%. Le témoignage que vous avez vu tout à l'heure dit tout. C'est à vous maintenant de prendre la décision. Inscrivez-vous maintenant avant que les prix ne montent et les bonus ne disparaissent. On se retrouve donc de l'autre côté. Le lien de la formation est déjà dans la description de cette vidéo. Il suffit d'aller dans la description de la vidéo. Vous allez trouver le lien. Vous cliquez sur le lien. Directement après le paiement, vous recevez le lien de la formation dans votre boîte mail. Et à partir de là, dès que vous cliquez sur le lien de votre formation, boum, vous vous retrouvez sur votre site, là où il y a tout ce que je viens de dire. Donc, allez-y, prenez la formation maintenant et réussissez à fabriquer
l'aliment avec les ingrédients locaux. Merci beaucoup.